Enfin, le cinquième élément pour ce petit combat, ce sont les créatures spéciales qu'on peut retrouver à travers les trois séries. Donc, d'un côté, parce que, comme vous le savez, dans ces trois séries, on retrouve à la fois des vampires, des sorciers, des loups-garous, et globalement, c'est tout ce qu'on retrouve commun aux trois séries. Dans Vampire Diaries, on retrouve quelques créatures spéciales. On a les sirènes, oui, Satan, le diable. On a les hérétiques, qui sont des sortes d'hybrides, mais au lieu d'être comme Klaus, à moitié vampire et à moitié loup-garou, eux, les hérétiques, sont à moitié vampire et à moitié sorcier. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme créature spéciale? Bah déjà, les hybrides en eux-mêmes ont été créés. Bon, on les compte pas pour le duel, mais globalement, les hybrides sont apparus en premier dans Vampire Diaries. En sachant qu'à l'époque, Klaus était l'unique hybride. Oui. Et que c'est à partir de Vampire Diaries que, boum, une petite expansion des hybrides. On a les chasseurs aussi, très important. On a trois sortes de chasseurs. On a les cinq chasseurs. Ben non, c'est vrai que Jérémy il en fait partie. Bah oui. Les cinq chasseurs spéciaux là, en gros, quand ils tuent suffisamment de vampires, il y a tout un tatouage qui apparaît sur leur corps et qui les mène à un truc qui s'appelle la cure, donc qui permet de soigner du vampirisme et tout ça, qui apparaît comme étant quelque chose de très important dans Vampire Diaries à partir de la saison 4. Ensuite, on a Reyna Cruz, qui elle est une chasseuse grâce à des sangs de chaman, et qui est déjà, elle est très puissante, et en plus quand tu la tues, en fait c'est un des chamans qui est lié à elle qui meurt à sa place. Bon, les chamans sont déjà morts, je crois, mais globalement ils disparaissent, et c'est comme s'ils mouraient à sa place. Et Donc, elle devient encore plus puissante à chaque semaine qui meurt. voilà. Très important. Donc voilà. Donc, je sais pas pourquoi je pensais qu'il y avait trois. Enfin, je sais pas pourquoi je me suis gouré avec Jérémy. Je le voyais comme une troisième espèce de chasseur. C'est le seul chasseur qui va rester normal. Oui. C'est tout. Voilà. Globalement, pour Vampire Diaries, c'est à peu près ce qu'on a de. Dans The Originals, on va avoir de nouveau un vampire un peu spécial. Avec Marcel et Lucien, qui globalement, en prenant une sorte de fiole là, un truc de magique, globalement, en le buvant et en étant tué, ils deviennent un vampire aussi puissant que les originels, et surtout avec une morsure qui peut même tuer les originels sans avoir utilisé un pieu spécial, comme ça doit être le cas à la base. À la limite, on peut aussi attribuer à The Originals la création de la tribride Hope Michelson, même si en soi on l'a jamais vraiment vu en tant que tribride. Et par contre, dans Legacy, ben, on a. Je pense qu'on peut aussi rajouter le holo, Bah. puisque c'est un esprit venant d'un loup et d'un esprit. À la limite, on peut rajouter le holo. Même si ça n'a pas changé grand-chose, disons que ça va faire quand même un petit truc. Moi je pense que Oui. le holo devrait quand même y faire en partie. On va t'accorder de mettre le holo. De l'autre côté, on a Legacies qui globalement écrase les autres. Carrément. C'est Et la qui, bon, suprématie, je pense qu'on est d'accord du tout de suite pour lui hein. donner la première place. Ok, d'accord. Parce que Legacies, ben, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, le but de la série, c'est que le Malivore éjecte une créature et qui vient. Enfin, une créature oubliée, ce qui fait que ça peut pas être un vampire, ça peut pas être un hybride, ça peut pas être un sorcier, ça peut pas être Un un hybride. loup-garou, enfin oui, un hybride, ça peut pas être des créatures que tout le monde connaît, forcément des créatures qui sont oubliées. Et effectivement, toutes les créatures que l'on sort sont toutes oubliées, hein, les dragons, les momies, les sphinx, Qui des grands le anciens, nécromancien, l'araignée géante, l'araignée géante, le mangeur de loups-garous là, le Père Noël Fauchard, le Krampus, le Père Noël. le Père Noël en lui-même, hein, tout le monde se demande s'il existe ou pas, bah, là,
Globalement, il nous donne une réponse. Hein. Oui. On a le frère de Cupidon, on a même des créatures divines qui apparaissent. Donc voilà. Globalement, je crois que chaque saison de Legacy se construit en 16 et 16 épisodes. Donc dites-vous que il y a quasiment une créature différente par épisode. Donc bah, bien sûr pas dans tous, mais dans quasiment tous, il y a une créature différente. Donc vous dites sur quasiment 32 épisodes, allez, on va dire qu'il y a au moins une bonne vingtaine, on va dire 20 créatures différentes, pour éviter de tous les compter, parce que je m'en souviens pas de tous. Sans compter que le héros London est un phénix. Donc moi je pense, petite théorie, je pense que lui-même vient du Malivore. Mais c'est le fils du Malivore. Ouais, non, je pense qu'il a été recraché du Malivore. Je pense que là-bas, il était dans le Malivore. Non, sa mère était dedans. Est-ce qu'on peut considérer sa mère comme une créature alors? Non, c'était une agent, une sorte d'agent Ah ouais, c'est secret, vrai, là. ouais, c'était étonnant parce qu'elle avait des informations, je crois. Oui. Oui. Et après, on a aussi une fée. Il y a un des étudiants d'école qui est une Ouais, fée. j'avais oublié cela. Mais étant donné aussi qu'il y a une saison 3 qui devrait arriver, on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait d'autres créatures. Donc même sans voir la saison 3, il y a des chances qu'il y ait encore d'autres créatures qui viennent. Bah, sachant que dans la saison 2, le nécromancien contrôle une partie du Malivore, on peut effectivement considérer que pour se défendre après avoir trahi Alaric, on peut effectivement s'attendre à ce que il fasse sortir d'autres créatures pour se défendre. Effectivement. Il y a aussi un zombie qui en plus ne meurt jamais. Ça, il reste en vie, sinon. Tout le monde s'en. Enfin, tout le monde en a limite rien à faire du zombie. Et tiens, on en a tellement rien à faire qu'on a fait l'oublier nous-mêmes. Oui. Parce que là, je viens juste de revoir la scène où Caleb il met un gros coup de corde à, un gros coup de corde à linge au zombie, mais. Non. Non, Non, il meurt pas. Ensuite, en deuxième place, je pense qu'on peut être d'accord sur Vampire Diaries. exactement. Pauvre original qui ne va pas gagner de points encore une fois. Non. Enfin, à part un point, contrairement à deux et trois points pour les autres, mais c'est vrai que The Vampire Diaries a quand même. Bah, déjà, ils nous mettent les hybrides qu'on connaît tous, Klaus et tout. Les Forcément, hérétiques. les hérétiques sont encore un autre type d'hybrides qui apparaissent. Les chasseurs qui sont quand même ultra importants. Oui. Et c'est un peu dommage qu'il n'y en ait pas dans The Originals, même si Rena Cruz apparaît dans un épisode et fait un petit carnage là-bas. Ouais, mais c'est pas. En plus, tu la vois même pas se battre. Tu la vois juste. Tu vois juste son ombre en train de tuer des vampires en plus. Même pas un combat, tu vois. Donc, en fait, on peut même pas vraiment la compter dedans. Mais Après, voilà. t'as quand même Silas qui était quand même un télépathe, quoi. Si là, ce qui était un télépathe de malade. Bon, forcément, les sirènes qui pouvaient totalement changer, enfin modifier ta psyché, ta mémoire. Bon, le diable, on n'en parle même Même pas. pas. Globalement, ça, même si Marcel est mon perso préféré de The Originals, hein, il se fait totalement démonter. Pardon, Pierre Pierre, Par c'est vrai. Vampire Diaries. Donc, on va passer à la sixième partie avec une petite pointe de spoil parce qu'on va parler des meilleures morts à travers les trois séries. Donc, pour ceux qui ne veulent pas, qui ne veulent pas être spoilés parce que soit ils n'ont pas encore vu les Gacies ou ils n'ont pas encore fini The Originals ou Vampire Diaries, parce que je sais que c'est quand même très très long de tout regarder. Voilà, vous pouvez arrêter la vidéo là et on se retrouvera dans une prochaine vidéo le lundi suivant. Et pour ceux qui n'ont pas peur de se faire spoiler comme moi ou qui en ont juste déjà tout vu, voilà, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. Donc parmi les meilleures morts de Vampire Diaries, qu'est-ce que l'on peut compter dedans? Je pense que la mort de Catherine, Alors, la mort de Catherine dans la saison 5, avec je crois. Silas, Oui. quand Silas l'a tué, oui, je pense que cela peut être mis dedans. Elle peut être mise dedans. La mort de Jenna, elle est pas ouf. Non. La mort de Finn n'est pas ouf, mais elle est ultra importante dans toute l'histoire de Vampire Diaries et The Originals.
Ensuite, j'essaye de compter dans la saison 5. On a quand même une mort de Stephen qui est assez triste quand même. Parce que quand il meurt, on apprend même au moment que Bonnie a perdu le moyen de le ramener à la vie. Donc en soi, bon, je doute bien qu'ils vont trouver un moyen, mais sur le coup, elle est quand même assez impactante, surtout que Stephen c'est le héros, donc tu te dis, putain, ça va pas ramener le héros, Oh, ça pas l'air bon. c'est un peu la merde. La mort de Tyler, enfin les deux morts de Tyler sont quand même assez tristes, parce que la première, c'est les voyageurs qui le foutent dans ce Mystic Falls, du coup il finit par perdre tous ses pouvoirs et par se briser la nuque tout seul. Et dans Pareil. sa deuxième mort, c'est Damon qui l'attaque, qui le vide à moitié de son sang et après qui le laisse comme ça mourir dans le coffre d'une voiture, en sachant que la mort de Tyler, c'est quelque chose que Damon va se reprocher, donc il va pas forcément en parler, mais quand Bonnie et Caroline vont rentrer dans son esprit, et que quand Bonnie arrive dans le cimetière et que c'est Tyler qui vient lui parler, on se rend compte quand même que Damon s'en veut énormément pour d'avoir tué Tyler. Et c'est en même temps ce qui fait que plus ou moins Damon va retourner sa veste. Après, la mort de Stephen dans la saison 8 est quand même très importante. Alors moi je tiens à préciser, je n'ai pas vu la saison, je n'ai pas eu le temps, encore eu le temps de voir, donc ça je ne pourrais pas en juger. Donc sur ça je ne vais rien dire. Donc voilà, donc Stephen meurt, enfin il se sacrifie pour sauver Mystic Falls et tous ceux qu'il aime, tuant Catherine au passage. Et surtout ce qui est très très beau là-dedans, c'est qu'une fois qu'il meurt, la série, en fait on a une vision où en fait comme Elena est dans une sorte de monde d'entre-deux, en fait l'esprit de Stephen vient dire au revoir à Elena et pour expliquer pourquoi il s'est sacrifié. Et ensuite, quand il part, il retrouve sa vieille amie Lexi. Lexi, juste avant de disparaître, quoi. Et après, on sait que Damon et Elena sont morts. Et notamment, pareil, on a une très très belle scène où Elena retrouve quasiment toute sa famille. Elle retrouve ses parents. Elle Chagrin. retrouve Jenna et Jonathan Gilbert. Parce que Jérémy n'est pas mort. Du coup, il retrouve toute cette famille-là. Et pareil, la scène, elle est très très belle. Puis je trouve ça même touchant que Jonathan Gilbert soit apprécié et tout. Enfin, qu'elle soit contente de le voir, sachant que c'est une petite raclure. Et à côté de ça, on a quand même la fin. La série qui se termine là-dessus, sur Stephen et Damon, qui se retrouvent dans le royaume des morts. Sans compter que la mort d'Enzo aussi, dans la saison 8, quand Stephen arrache le cœur d'Enzo, de sous les yeux de Bonnie, la scène est vraiment pas mal aussi. Du côté de The Originals, en Alors, mort impactante. je trouve, y en a quelques-unes, parce que du coup j'en ai quelques-unes qui étaient vraiment bien. Là, je pense que la première à dire, c'est celle du bras droit de Marcel dans la saison 1. Le mec avec une sorte de béret, là, qui a le chapeau, le vieux, là. Oui, qui arrive, oui, Je pense que cette qui mort-là était vraiment très belle. arrive. Du fait que c'était la vengeance de Lady en disant que s'il faisait quoi que ce soit, un nouvel environ, il tuerait quelqu'un. Je trouve qu'il a quand même tué le meilleur ami de Marseille, je trouve que c'est une très belle mort. L'autre mort que j'ai beaucoup aimé, c'est la mort de Joshua Ah dans ouais. la saison 5. 5. Ouais, c'est Une très belle mort. une des morts les plus impactantes. Pourtant, c'est un personnage secondaire, La mort mais était je trouve qu'il vraiment. a. C'est un des rares, comme Thierry Venture, à avoir un hommage après sa mort dans Originals. Oui, et vraiment, il a une mort. Je trouve que c'est même l'une des plus belles morts de toutes les séries de Vampires Diaries. Je trouve que c'est une des plus belles morts. Ben, je suis pas sûr. Enfin, pour moi, Stephen, enfin, ça ressemble beaucoup à la mort de Stephen, dans le sens où enfin, lui, il se sacrifie même pas. C'est juste que bon, c'est pas un guerrier et au final il se fait injecter un venin dans un combat. Mais ça ressemble beaucoup à la mort de Stephen dans le sens où s'il vient là pour se battre, c'est parce qu'il est venu sauver Marcel qui avait été enlevé. Mais sa mort elle est à cause de ça. C'est même à cause des nazis, je crois qu'ils l'ont. Je sais plus qui c'est qui a Si, chopé si, si, je Marcel. crois que c'est les nazis.
Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans ce moment, c'est qu'il va retrouver son ancien petit ami. Et il retrouve, comment il s'appelle déjà lui? Aiden. Aiden, voilà. Et Et putain. effectivement, c'est ça qui rend la mort encore plus belle, c'est qu'au final, dans le royaume des morts, il retrouve son ancien petit copain. Et je trouve ça vraiment très bien. Ensuite, une mort impactante, je trouve aussi, c'est celle de Davina, la première, qu'elle a, à la moisson, quand il emmène sur l'autel et qu'elle se fait égorger. J'ai vraiment beaucoup aimé cette mort. La seconde mort aussi de Davina était très bien, quand c'est Cole qui l'a tué. Oui, parce que se fait tuer par son copain. C'est assez cocasse, mais j'avais bien aimé. Après, on a la mort de Camille, bon, qui est pas ouf, mais c'était quand même un personnage principal. Oui. La mort de Finn, j'aime beaucoup sa mort, parce que bon, le perso est pas ouf, mais au final, c'est ce qui va unir la famille à ce moment-là. Oui, c'est même de Cole dans la saison 2, quand il Oui. est sorti aussi. Oui. Et après, bien sûr, on ne peut pas éviter la mort de Klaus et de Elijah. Oui, à la toute fin, les deux qui se suicident pour sauver Hope et... Enfin, pour sauver Hope, hein, tout Oui, tout court, en fait. court. Hein. Au final, les deux se sacrifient. Oui. Avec une très belle mort aussi. Moi, ouais, j'avoue, je vais être honnête, j'ai été déçu que les deux meurent comme ça. J'aurais pensé qu'il y aurait eu un combat et que ce serait terminé sur un combat que sur juste il se tue là. J'ai été un peu déçu, j'avoue. J'aurais préféré avoir une autre mort que celle-là. C'est vrai qu'en soi, elle est pas impactante dans le sens où c'est vrai que ça bouge pas, ils sont juste là en train de s'échanger 2-3 paroles et puis hop, ils se tuent l'un l'autre. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup d'émotions Oui, dans la mort, à travers la scène. oui. Et puis, Et bon. puis voilà. Et Et les passons. Gacy's. Alors, le défaut des Gacy's ici, et qui clairement va être à la dernière place, hein, c'est le fait que déjà, un, la série n'est pas finie. Dans la saison 1. À la limite, la seule mort impactante qu'on a, c'est celle de Landon. C'est vrai qu'au début, quand MJ le tue, quand il est dans sa folie meurtrière, il tue Landon. Et on essaie de nous faire croire qu'il meurt, et puis d'un coup, t'as des flammes et tout, et puis il se réveille. Et là, on découvre que Landon est un phénix. Donc au final, Mais il meurt pas. bah, c'est pas une vraie mort, vu que bah, c'est le but d'un phénix, hein, de renaître de ses cendres. Dans la saison De. 2, Bah, il meurt. il meurt, mais. Il y a quelque chose qui dit qu'en fait une flèche en or peut tuer le phénix. Plus ou moins, c'est ce qu'une Enfin, prophétie du sphinx veut Enfin, dire. c'est pas. Après. Après, moi, je dis un truc, c'est que. Est-ce que ça doit vraiment tuer le phénix? Parce qu'il dit juste que ça doit tuer le nouveau héros. Ben ça après. Est-ce que. Il est vraiment le nouveau héros? Ben, c'est ça la question. C'est est-ce que les héros, entre guillemets, les personnages principaux, est-ce qu'ils ont bien interprété La prophétie. la prophétie du sphinx? Parce que s'ils ont bien interprété la prophétie du Sphinx, la flèche d'or, effectivement, est censée tuer Landon. Mais s'ils n'ont pas bien interprété la prophétie, bah, Landon est mort. Deuxième chose, c'est que Hope, pareil, ne s'est pas réveillée quand elle est revenue de l'esprit de... Enfin, de toute façon, on ne sait même pas si elle est revenue de l'esprit de Josie, mais elle a été dans l'esprit de Josie pour la libérer de son côté maléfique. Et au final, Hope ne s'est jamais réveillée. Donc, techniquement, vu que la saison 3 est pas encore sortie, on ne sait pas si Hope est morte ou pas, ou si elle met juste du temps à se réveiller de cette expérience-là, sans compter qu'il y a le nécromancien. Et que le nécromancien, par exemple, on sait que dans la saison 2, il a tué Raphaël, le meilleur ami et un peu frère de cœur de Landon, mais qu'il l'a ramené sous ses ordres. Pareil pour Alyssa, je crois que c'est Josie qui lui brise la nuque. Oui. Et au final, elle est ramenée à la vie par le nécromancien, et dans un pacte avec Alaric, Alaric demande au nécromancien de libérer Alyssa, Raphaël, et en même temps de faire ressortir Hope, enfin de l'aider à faire sortir Hope de l'esprit de Josie et de ramener Josie à la normale. Qui au final, le nécromancien va faire en partie, parce que d'un côté, il va quand même tuer. Landon, même si on n'en est pas sûr, et il va pas faire revenir Davina, qui est pour lui l'ennemi le plus dangereux, enfin son adversaire le plus dangereux. Mais on peut très bien imaginer que dans la prochaine saison, si Landon est vraiment mort, qu'il le ramène à la vie. Imaginons que que Hope se réveille, on peut très bien imaginer que le nécromancien ramène Landon à la vie pour manipuler Hope. Donc la mort. Tant que le nécromancien est vivant dans les Gacy's, la mort n'a pas vraiment de sens.
Oui, et encore une fois, est-ce que. Après, bah, tout va dépendre de la prophétie qu'on fait. Hein. Si la prophétie dit vrai, parce qu'après, Ouais, ben. on sait de toute façon qu'il ne l'a pas inventé, donc la prophétie est vraiment vraie. Mais par exemple, est-ce que ça ne serait pas par exemple un nouveau personnage qui n'est pas encore apparu qui serait le nouveau héros? Parce qu'au final, il fait quand même partie de la team héros déjà de base. Oui. Donc, c'est pas vraiment un nouveau. Bah après, il peut peut-être considéré comme un nouveau héros dans le sens où, techniquement, en fait, après ce qui s'est passé avec le Malivore, quand le Malivore a été entre guillemets vaincu, Landon a été considéré comme un héros parce qu'il a été le seul qu'on a retrouvé à côté du Malivore. Vu que Hope s'est jeté dans le Malivore avec le frère de Landon et que tout le monde a oublié son existence, du coup, tout le monde a considéré que Landon était un héros, alors qu'à la base, c'est un gros raté. Oui, ça. Donc, dans ce sens-là, il peut être considéré comme un nouveau héros. Enfin, il y a tellement de trucs comme la fée peut très bien être considérée comme un héros. Mais c'est peut-être la fée qui doit être tuée par la Peut-être la fée, flèche. parce que je sais qu'il y a un personnage il y a deux personnages récurrents, donc secondaires, qui vont devenir principaux dans la saison 3. Il y a notamment Jed, là, le chef de la meute de loups, qui va Ouais. devenir principal dans la saison 3, et il y a un autre personnage. J'ai vu son nom, mais je vois pas trop c'est qui, c'est peut-être la fée. Donc peut-être que un de ces deux-là est le nouveau héros. Bon, Jed, j'en doute, parce que c'est quand même un petit connard, mais... Personne peut être c'est un loup-garou, on sait comment les tuer. Ouais, donc peut-être que la fée est le nouveau héros. Et donc, il faut peut-être que ça servait à rien qu'il essaye de tuer avec la flèche d'art. Voilà, donc c'est pour D'accord. ça que les Legacies ne peut pas gagner ce duel, parce que la mort, déjà la série est pas terminée. Et la mort en soi, bah Bah, avec un phénix et un nécromancien, c'est compliqué d'avoir une mort. voilà. Pour moi, je dirais quand même que c'est Zaunel qui gagne ce pari des plus belles morts. Parce que déjà, bah, moi j'ai pas vu la saison 8, donc je Enfin, on a pense dit des meilleures morts, c'est pas forcément qu'elles sont plus belles. C'est quand même pas. pas forcément qu'elles soient plus belles, mais en même temps l'impact des morts. Bah, moi, comme ça, je trouve que Zaunel a eu les plus belles et plus impactantes morts. En tout cas, de mon avis. Hein. C'est Zaunel qui m'a plus touché à une volée. Eh ben moi dans mon cas je suis toujours pas d'accord, mais parce que moi j'ai beaucoup été plus enfin, j'ai été beaucoup plus touché par Vampire Diaries. Déjà parce que dans Originals, alors certes il y a des très belles morts, hein, celle de Klaus et Elijah elle est géniale, celle de Joshua c'est la meilleure de Originals, mais en même temps ben il y en a aucune qui est plus impactante que ça, à part la mort de Klaus est importante dans le développement de Hope dans Legacies. À part ça, les autres morts, ben on s'en fiche un peu, parce que beaucoup meurent plusieurs fois. Voilà, Cole. Ouais, j'ai oublié Cole en Vampire Diaries, mais qui était déjà mort là-bas. Oui, Comme c'est vrai. Finn, tous les deux sont morts dans Vampire Diaries. Ils reviennent dans des nouveaux corps dans Originals. Cole meurt à nouveau pour revenir dans son vrai corps. Donc pareil dans Originals, c'est quand même un aspect avec la mort qui est pas ouf, avec Esther qui peut te faire apparaître des gens dans des nouveaux corps, elle-même qui change de corps toutes les 5 minutes. Bon, heureusement, après la saison 3, on n'entend plus parler d'Esther, parce qu'au bout d'un moment, c'est gonflant. Hein. Depuis la saison 3 de Vampire Diaries à la saison 3 d'Originals, c'est bon, quoi. Mais même elle, Esther, avait été tuée dans la saison 3 de Vampire Diaries, et puis on se la retape dès la saison 2 de Originals. Et voilà, bon après forcément il y a des morts qui restent, mais même bon après le truc de la moisson, c'est logique que Davina soit revenue à la vie après sa première mort. Mais en soi, tu vois, t'en as pas une, à part la mort limite de Camille, donc rendu fou Klaus, la première mort de Marcel, enfin j'ai eu la première, de toute façon il est mort qu'une fois, mais la mort de Marcel pour qu'il devienne la super créature, moi je l'ai adoré, parce que Marcel c'est mon personnage préféré des Originals. Mais en soi, ben, l'impact pas rapidement, vu que dès la fin de l'épisode, tu sais qu'il n'est pas vraiment mort. Oui. Il a pu laisser un peu plus de suspense, je pense. Oui. Au moins attendre l'épisode je veux dire l'épisode précédent. L'épisode suivant, Non. surtout. Surtout attendre l'épisode suivant. Que Vampire Diaries, en soi, ben déjà, la mort de Stephen, enfin les deux morts de Stephen sont assez importantes, parce que bon, pareil, hein, quand ils sont dans l'autre monde, qu'ils les ramènent du monde des morts, bon, c'est un peu dommage. Parce que Tyler avait eu plutôt une belle mort pour le personnage que c'est.
Stephen avait une belle mort aussi en se faisant arracher le cœur, bah pas Tyler en plus, hein, parce que les deux meurent à un épisode d'intervalle. C'est un peu dommage dans ce truc-là que les gens, enfin c'est pas dommage qu'ils reviennent à la vie parce qu'on est toujours très content de revoir les personnages qu'on adore, mais en même temps bah ça enlève l'impact émotionnel de la mort, même si en sachant qu'à la fin de Vampire Diaries, quand bah, c'est tellement beau de voir les deux frères se retrouver, de voir Elena retrouver sa famille, et c'est ce qui rend la mort de Josh plus belle que celle des autres dans Originals. Parce que il a le même traitement que les héros de Vampire Diaries. Il peut retrouver quelqu'un qu'il aime dans la mort. Mais surtout pour moi, ce qui fait que Vampire Diaries a une des meilleures morts, c'est que la mort de Finn Michelson, sa toute première mort de toute la saga, c'est que au final, elle est ultra importante dans l'histoire. Car quand il tue Finn, ils se rendent compte que tuer un originel, ça tue toute sa lignée. Et en même temps, ça a été un gros coup de bluff parce qu'ils auraient pu tous mourir s'ils étaient de la lignée de Finn. Hein. Et au final, ils se rendent compte de ça, et c'est très important dans le développement de l'histoire parce que du coup, toute une partie, je crois, de la saison 4, saison 3, saison 4, c'est de découvrir qui est l'originel à l'origine des héros. Parce que eux, ils veulent absolument tuer Klaus, mais ils peuvent pas tuer Klaus sans savoir si c'est leur ancêtre ou pas, enfin leur ancêtre de sang. Oui. En même temps, on a le même dilemme dans la saison 3. Quand ils ont, eux aussi, forcément, il y a des descendants de Finn qui ont dû mourir à Nouvelle-Orléans, donc ils se sont rendus compte de ça. Davina a décidé de détruire le lien entre Klaus et sa lignée, comme ça, maintenant, tout le monde peut le tuer. Et pour moi, c'est ce qui fait, enfin, gagne ce truc de la meilleure mort, parce que lui au moins, Finn, même s'il n'était pas très aimé, pas ultra important non plus, à part le fait d'être un originel, c'est que ben, dans sa première mort, on a quand même quelque chose qui va impacter quand même deux séries en elles-mêmes. Alors pour conclure, on va vous montrer, enfin vous donner les notes finales des séries en fonction des duels qu'on a fait, des accords qu'on s'est mis. Donc, quand on était tout le temps d'accord, le premier gagnait 3 points, le deuxième 2 points et le dernier 1 point. Quand on n'était pas d'accord, on a mis 1 point et demi pour les deux avec qui on n'était pas d'accord, comme ça, il n'y a pas de jaloux et forcément le premier gagnait ses 3 points. Ou le dernier avec un point dans le cas des morts. Donc, à la dernière place, comme chaque fois, pour préciser, comme la fois, il y avait 3 points maximum sur 6 thèmes, forcément, ça fait une note sur 18. Donc, à la troisième place, on retrouve The Originals avec un 7,5 sur 18. À la deuxième place, je suis moi-même très étonné, on retrouve Vampire Diaries avec un 13 sur 18. Et à la première place, on retrouve Legacies qui gagne à très 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 peu de choses parce qu'il est à 13,5 sur 18. effectivement. Donc au final, on a une victoire de Legacies qui apparaît comme la meilleure série. Mais c'est comme on en parlait avec le maître d'Anacalypsis juste avant. D'un côté, Legacies gagne cette place, surtout grâce au fait qu'elle n'est pas encore finie et que pour l'instant, il n'y a pas encore de saisons qui font des builds ou des choses comme ça. Et notamment, il y a une énorme inventivité sur cette série-là. Et comme on voit, elle gagne vraiment de très très peu. Donc, je pense que c'est le fait, oui, qu'elle soit quand même récente et pas finie. Parce que si elle avait été finie et qu'il y avait eu des morts très impactantes, bon, bah là, elle gagnait avec beaucoup plus de points que Vampire Diaries. Oui, et puis il ne faut pas oublier non plus qu'on est à deux à voter, c'est comme on en parlait aussi, Ah c'est oui, que. c'est pas un classement où il y a deux. C'est-à-dire que mes points ont pu être doublés suivant ce qu'on a dit. Par exemple, je sais que je donnais des points à Zoslo que Tarantor n'a pas mis, et vice-versa. C'est-à-dire que des points que moi j'ai mis n'auraient pas été mis de la façon que Tarantor aurait mis. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a des changements, parce que. Enfin, pardon, d'heure, et plus sur Vampire Diaries. Et à la base, moi, je suis plus sur Legacies et The Original. Et du coup, comme on peut voir,
Bah, j'ai mis plus de points sur mes favoris du coup, puisque je trouve qu'elle était plus intéressante. Là, au final, oui, le résultat montre bien les séries sur lesquelles on s'intéresse le plus. Enfin, entre guillemets, parce que Vampire Diaries est juste une série de bonne qualité en soi. Parce qu'on peut pas dire non plus que c'est une méga série, moi, Succession, ce qui m'a beaucoup touché, mais c'est vrai que Legacy est quand même une série qu'on suit énormément tous les deux. Et après, bon, bah, Vampire Diaries est juste meilleur que The Originals. Oui, y a pas de tour. Mais voilà. Après, c'est vrai que quand on voit les points qui ont été distribués, parce qu'on l'a fait trois fois, et c'est vrai qu'à deux reprises, c'est entre Vampire Diaries et The Originals. Parce que bon, moi je préfère largement Vampire Diaries à The Originals, même si j'aime beaucoup les deux. Moi, je préfère Original avant de dire plus. Voilà. Du coup, avant de conclure, je veux juste terminer en précisant que ce classement ne fait pas que les séries sont meilleures ou moins bonnes. Voilà. Donc voilà, donc je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et notamment le maître d'Anacalypse, hein, qui vous apportera également des nouvelles vidéos sur des sujets plus à lui. Oui, du coup, non, très prochainement, il y aura une vidéo sur. Très certainement sur un jeu qui s'appelle Genshin Impact, que je vais tourner dans pas longtemps d'ailleurs, puisqu'il y a une nouvelle mise à jour qui est arrivée. Tu vas s'en rendre compte avec lui. Fin du mois. Donc, qui est sorti en début de mois. Et du coup, je compte en faire une vidéo pour vous montrer. Les changements de l'ancienne version et de la nouvelle, et de tout ce qui a changé au niveau de la map, des personnages, et un peu vous faire un petit peu le topo de tout ça. Donc Ok, voilà. ça marche. Et ben en tout cas, dans mon cas, on se retrouvera avec des 4 vidéos Koh-Lanta. Vu que ce sera bientôt, techniquement la semaine prochaine, c'est la finale de Koh-Lanta, donc on enchaînera sur des vidéos Koh-Lanta, enfin 4 vidéos Koh-Lanta en tout cas, de mon côté. Donc, ciao! Ciao!